La question de l'énergie est évidemment au cœur de cet accord et c'est justement dans quelques semaines que le Maroc va inaugurer la plus grande centrale solaire au monde. Baptisée Nour, la lumière en arabe, elle a été construite aux portes du désert près de Ouarzazate. Un projet de 6,5 milliards d'euros qui permettra de garantir une indépendance énergétique au pays. Reportage Benjamin Dar et David Salmon. On laisse Ouarzazate derrière nous pour nous enfoncer dans le désert sur une vingtaine de kilomètres. Là, au pied des contreforts de l'Atlas, sur l'horizon du Sahara, des milliers de curieux cylindres paraboliques. Voici la plus grande centrale solaire du monde. La première fois que j'ai posé les pieds ici, il n'y avait absolument rien. Rachid supervise ce chantier depuis 4 ans. Le site a été choisi pour son ensoleillement exceptionnel, son plateau uniforme, idéal pour y installer tous ses panneaux. Le complexe, c'est pratiquement 3100 hectares à peu près. C'est l'équivalent de la taille de la ville de Rabat. Pour donner un ordre de grandeur, c'est pas trop loin de la taille de Paris intramuros. Et c'est vraiment énorme. Vous le remarquez là en roulant, on va rouler peut-être une heure pour faire le tour du complexe. Des rangées infinies de miroirs géants, un enchevêtrement de tuyaux. Les Marocains ont opté ici pour la technologie dite thermodynamique. Ces miroirs réfléchissent les rayons de soleil et se concentrent au niveau de ce tube pour chauffer de l'eau et produire de la vapeur. Cette vapeur permet d'entraîner une turbine qui produit de l'électricité. Dans un mois, tout doit être prêt. En présence du roi, depuis cette salle de contrôle, le premier kilowattheure solaire sera injecté dans le réseau pour alimenter près de 700 000 foyers marocains. Le royaume veut faire de ce projet une vitrine de sa modernisation. De cette tour, par exemple, les visiteurs pourront bientôt contempler le site. Les Marocains parlent même d'organiser un marathon solaire, une course autour des installations. Le maire de Ouarzazate a flairé le potentiel pour sa ville. Tous les gens aujourd'hui qui vont visiter la ville d'Ouarzazate, ils viennent pour visiter les Kasbah, bien sûr, et les oasis. Aujourd'hui, on a un grand plus, c'est ce centre écologique. Ça va être un argument touristique et aussi, il va faire travailler beaucoup de jeunes chômeurs. 700 personnes travaillent sur ce chantier, des Espagnols, des Chinois, des Français. Mais les deux tiers sont Marocains, comme Rachid. La centrale a changé sa vie et son village. La route qui y mène n'existait pas avant. Et lui a pu quitter Casablanca, où il est allé chercher du travail pour retrouver sa maison, sa famille. La centrale a stoppé l'émigration. Les jeunes maintenant, ils ne partent plus ailleurs pour trouver du travail. Ils préfèrent rester ici. Les gens sont contents parce qu'ils ont du travail à présent. En misant sur le solaire, mais aussi l'éolien, l'hydraulique, le Maroc ne joue pas seulement la carte du développement durable, mais cherche aussi à réduire sa dépendance énergétique. Le pays importe en effet l'essentiel de son énergie de l'étranger. Or, d'ici 5 ans, grâce aux énergies renouvelables qu'il développe, le royaume pourra répondre à 40% des besoins en électricité du pays.